Bonjour à tous, on me pose souvent la question des surf camps ados, comment ça se passe? Eh bien la bonne nouvelle c'est que ça se passe toujours très bien. Parce qu'en fait on a une sélection de profs qu'on connaît depuis de nombreuses années, qui vont prendre en charge les petits du matin au soir. Et ces profs, il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est beaucoup de responsabilité de prendre en charge vos ados. Alors il faut savoir qu'on a deux groupes de profs qui peuvent les prendre en charge. Alors déjà la plupart ils posent des dates parce que c'est pas toute l'année qu'il y a des camps de surf ado. Et c'est donc à des dates fixes. On a deux types de profs, on a ceux qui ont le BAFA et qui vont prendre en charge des 12-18 ans. En général on a des groupes de 16, 2 fois 8, parce que pour les cours on fait des groupes de 8. En général un groupe des petits et des débutants, et un groupe des plus grands et des intermédiaires. On est intermédiaire quand on a une semaine de surf dans les dents, pratiqué. Et au niveau des activités, c'est assez simple. Hein. On ne va pas leur faire faire des colliers de pattes. Hein. Ce n'est pas des colos de vacances ou quoi. C'est toute la journée à la plage. Regardez, derrière moi, ils sont en train de monter une cabane. Je ne sais pas si on la voit là, ici derrière. Et ils sont toute la journée à la plage. Alors ils vont faire entre une et deux sessions par jour. Et ne vous inquiétez pas, on a l'habitude, ça fait des années qu'on fait ça. Là vous voyez derrière, il y a un peu de houle. Là typiquement on va sur un spot de repli à 500 mètres derrière la digue. Marée basse, zéro risque. Et donc on a plusieurs camps. On a des camps, on a un camp à Biarritz, on en a un à Hossegor, on en a un à Lacano, un à Saint-Jour-de-Marenne. Et pour les plus grands, qui n'ont pas peur de signer une décharge, et on envoie des 16, 17, 18 ans à Caparica à Lisbonne. On a un camp qui est sur la plage, qui est absolument génial. Et puis surtout, il y a cette ambiance internationale, qu'en France, c'est plutôt franco-français. Mais voilà, on a, là, au niveau des tarifs, ça va du simple au double, en fonction de la qualité de l'hébergement principalement, parce que les cours ils sont tous très bons, c'est pour ça qu'on les a choisis d'ailleurs. Mais on a des maisons de luxe sur la plage à Hossegor et on a des petites maisons sur la plage aussi à Lacanau. Et c'est cette différence d'hébergement qui va faire plus les prix du marché. À Lacanau vous allez être à 570 en saison et à Hossegor plutôt dans les 900. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler, on va s'occuper de vous. A plus tard, bonne journée.